cucu, mes petits culs, et bienvenue pour une nouvelle journée dans la vie des Euclis qui sont déjà en train de se lever pour aller à l'école. Ouais, la fin de Gabriel est proche. Oh putain. Il était plus jeune que Heidi et il va crever avant. Et là, encore une fois, le mâle ne verra pas la progéniture grandir. Et pourtant, on attaquait quand même rapidement, hein. Se sont mis ensemble, fiancés, emménagement, mariage, bébé. Bravo Carla, bravo Lidvine. Ah oui, puisque allez, vous allez rencontrer des mâles, hein, y a besoin. Va à l'école, toi. Ah bah oui, hein, toi aussi, allez, tout le monde à l'école. On se dépêche, on reste avec les vieux, nous, hein. Les vieux. Oh, Gabi. C'est pas encore pour aujourd'hui, mais bon, ça va pas tarder, hein. Je pense dans 2 jours, il est cané, hein. Oh là 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 là. Mon petit Gab. Ouais, tu sais quoi, tu vas vider la gamelle, tu vas manger. Et tu vas raconter, tu vas éliminer... Embrasser les gens. C'était quoi, faire crac-crac dans le jacuzzi, j'imagine. Je mentais sincèrement. Bravo, Joris. Amour... Crac-crac-crac dans le pain, remous, oui. Bravo Ludwig, tout le monde a eu des félicitations et a donc une meilleure note. Est-ce qu'on regarde les notes? Après, bon, je m'en fiche, hein, les notes dans ce let's play. Ouais, heureusement, parce que Joris, il a C. Carla, elle a C. Et elle a C. Et lui, il a C aussi, punaise. Il a même pas fait cette fois. Bah oui, c'est vrai. Non, mais oui, il y avait le projet scolaire, on n'a pas pu tout faire non plus, quoi. Bon, hein, c'est comme ça, hein, on pourra pas faire autrement. Encore les courriers, maintenant c'est... Ah, c'est les cadeaux d'anniversaire. Vas-y, prends le courrier. Ah oui, t'avais fait un bouquin, tu vas vendre un éditeur, alors. Voilà. Ça nous fera des thunes en plus. Là, on a perdu une journée de thunes, parce que maintenant, les jours de Heidi sont comptés, hein. Ouais. 48, il en a 57 de vécu. Lidwin a rencontré Xin. D'accord. Ça doit être tous les nouveaux... Ellie. D'accord. Ok. Livre des ordres. Oui, c'est tous les nouveaux ados que j'ai installés pour justement qu'il y ait pas mal de monde et de choix pour le futur mariage et compagnie. Alors aujourd'hui, on est encore en automne. Oh, on s'en fout, on va réviser. Possibilité de pluie, bah oui, voyons, hein. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, chez nous, il pleut tout le temps, hein, été comme hiver. Encore, j'ai pas encore eu l'hiver, hein, donc mon avis, ce sera plus de la neige tout le temps, quoi. Rapport de droit d'auteur 1246, la convention geek et Nassara. Voilà. Eh, hey, mais la convention geek, on pourra peut-être y aller avec Gab. Même avec Heidi, hein, ça fait... Va aux toilettes et va te prendre une douche. Voilà. Ah, Frida. Ouais, vas-y, on discute. Ah, il y a un petit minou dans le coin. Qui es-tu? Tu es Murphy. Bah ouais, mais on galère tellement à vous adopter, les animaux errants, quoi. Pff, au bout d'un moment. Je pense qu'il va s'en aller bien avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit. Bonjour, madame. Elsa le roi. Heidi, sérieusement, je viens d'entendre parler de ce concert dans un entrepôt abandonné secret du quartier de la mode. On ne peut pas rater ça. Allons-y vers 8h pour pouvoir y entrer. Non, merci, mon petit. Je pense qu'on aura d'autres projets, nous, à 20h. Ouah, c'est dégueu. Je sais pas, je sais pas ce que je regarde. Je me dis peut-être que je trouverai un trésor. Pour trouver un trésor. Bon, mon PC est mort, mais et je travaille actuellement sur un projet de programmation. Je crois que je pourrais utiliser les ordinateurs de la convention geek pour terminer. Je peux pas y aller seul. Mince! Je voulais cliquer pour sélectionner Gabriel avec nous. Tant pis, c'est pas grave. Wow! This is absolutely fabulous, you know? Oh là! Il y a de bonnes musiques. Et Heidi a mis... Oh là là, il y a des... Ouais. Elle a mis sa tenue d'hiver. C'est trop mignon. On va faire venir Gabriel ici aussi. Voilà. Le vieux. Lui aussi, il a mis sa tenue d'hiver. Bon, alors, quand je les ai relookés, ils étaient encore jeunes, hein. Donc, bon. Complimenter la tenue.
complimenter sincèrement. Voilà. Alors, parce que moi, je veux que Gabi... La musique est trop cool. Qu'il fasse... Le truc, là. C'est pas encore maintenant. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok, en fait, on peut pas l'acheter? C'est débile. Mais la musique est sympa. Tu peux aller aux toilettes, cocotte? Il y en a qui construisent des fusées, il y a ça. Oh là, j'ai cru. Ça faisait un bruit bizarre. J'ai sélectionné Gab. S'inscrire au tournoi de jeu. T'es au professionnel, t'es e-sportif d'ailleurs. Allez, refuge. Et tu vas. Professionnel, big block. Ah non! Ça y est, c'est ordinateur là. Oh là 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 là, je sais plus. C'est maintenant qu'il faut y aller. Participer au piraton. Vas-y, Gabriel! Vas-y, Gabriel! Ah, Diagandi. Elle est très très bien habillée. Il n'y a pas beaucoup de place, donc ça y est, il a la place. Maintenant, on va essayer faire de la programmation à la convention geek. Ok. Et toi, tu discutes avec ton frère, qui sont encore des jeunes hommes fringants, hein? On sort discuter ici. Bon, il y a Super Lama qui va, je suis pas sûre. Commencez en 7! Yeah! Tu vas gagner, Gabriel. J'espère qu'on aura plein de changes. Pour le déménagement, ça sera nickel. On peut jouer? Jouer. Alors, attends. Multijoueur, frénésie des fêtes avec Igor. C'est toujours frénésie des fêtes, c'est nul un peu, non? Mais la musique, elle est trop cool. J'aime bien. Bon, je bouge beaucoup, hein. Je me rends compte. Je me donne moi-même le tournis. Qui es-tu? Ritvik Savalani. Savalani? Savalani? Savalami? Savalami? Oui, il me fait penser à James Turner, putain. C'est le Sims de James Turner. Alors, si vous connaissez pas James Turner, c'est la chaîne The Sims Supply. Il est australien. Enfin, anglais qui vit en Australie. Et il est simplement très 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 talentueux. Il joue beaucoup au Sims 4. Donc, par contre, il faut comprendre l'anglais. Hein, il n'y a pas forcément de sous-titres. Moi, ça va, je comprends. Donc, c'est pas un souci. Et il a de très très bonnes idées qui sont parfois reprises chez d'autres personnes en France. Oui, mais quand même, James Turner, c'est un peu. Oh! Harold! Qu'est-ce que tu fous habillé avec ton tes draps? Ah, Gabriel termine l'épreuve avec un score de 67%. Nous annoncerons le compte vainqueur dans ce festival. Yeah, baby! Alors, bah, tu vas jouer maintenant. Comme j'avais dit là. Ah, test du jeu suprême. C'est maillé, c'est maintenant. On va gagner des trucs là. Et elle en culotte! Ma madame! Faut pas se balader en culotte, hein? Agnang, hein? À quoi? Ayaka Nakamura. T'es juste adulte? Putain, mais ils sont tous adultes dans les Sims. Oups. C'est pas si mal. En jeune adulte, ça aurait été mieux pour caser Juris, par exemple. Voilà. Elle joue comme Bibloque. Il y a personne d'autre qui fait ce jeu-là? Si? Ah. Je sais pas, elle fait que Bibloque, j'ai l'impression. Donc, si Gabi il réussit ce jeu-là, plus le piraton, je suis sûre on l'a gagné. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu répares? Ah, oh, il dit, tiens, t'as rien d'autre à foutre? L'école, une affiche. Ah non, c'est vrai qu'elle joue avec son frère. J'ai oublié. Frénésie des fêtes. Gabriel Vouron! Sans Simflouze! Bon, c'est de la merde! Bon, alors, terminé le test jeu suprême. Salle 70. On a encore beaucoup de cubes à donner. Ouais, mais on s'en fout, ça vaut pas grand-chose. Hein. Oh là, le look. La blague avec des cheveux blonds. C'est sympa. Ah, Anya Gandhi. Elle aussi, elle a un bug de la main. Hein, Gabi, tu fais quoi? Tu vas manger un coup? Ouais, un petit burger qui fait du bien.
Regardez-moi, ils sont tous déguisés. Amical. Amical. Hé, hey, Harold! Y'a pas le temps de cliquer dessus. Oh, on a Dark Vador qui est là! Au secours, Dark Vador est là! Je suis ton père! C'est qui? Luca Robert, d'accord. Pierre Durmin. Mais avec leur truc, on voit pas à quoi ils ressemblent. Donc, vous imaginez, vous draguez quelqu'un, vous êtes amoureux de cette personne-là et. Hé, hey, punaise, ça c'est un bon défi ça! Ça c'est un bon défi! Allez à la convention geek, faire en sorte que votre sim tombe amoureux d'un sim qui est déguisé, qu'on voit pas son visage, et après savoir quelle tête il avait en vrai. Ce serait rigolo. Peut-être dans l'avenir. Eh, vous piquez pas mes idées, hein. Je vous vois déjà en train de dire « Ouais, mais c'est trop ça !» Non, et mes idées, elles sont à moi. J'ai pas envie d'être copié sur YouTube. Hein ? Peut-être sur votre ordinateur perso, mais pas sur YouTube. C'est... Non, j'en ai marre d'être copié sur YouTube. Ah bah, niveau 4 de compétences jeux vidéo pour Ariel. Mais bon, alors est-ce qu'on teste qu'on sait pour le piraton, là? 1h36. Ah bah voilà, alors piraton 67% et on a gagné. Un ordinateur immersif, je crois que c'est un super ordi, ça. Si je dis pas de conneries. Oh putain, il y a Dark Maul. Oh non. Enfin, je crois que c'est Dark Maul, Darth Maul. C'est Ridvik. Ah, c'est celui de tout à l'heure. Mais ouais, je connais pas beaucoup Star Wars. Genre, j'ai jamais regardé vraiment. Donc, bon, effectivement, je m'en fous. Et on a gagné deuxième place 500, troisième place 250. Ah non, donc on a juste gagné l'ordinateur. Ce qui est en soi quelque chose de plutôt pas mal, je voudrais vous dire. Donc, tu vas aller pisser, mon Gab. Puis on va rentrer parce que les gamins sont rentrés à l'école, de l'école aussi. Donc, on va pas tarder, quoi. Hé, Harold, salut! Oh là, c'est tendrement. Regardez-moi ça! Les frères et sœurs sont retrouvés. Ah, je crois que Igor a perdu. Carla a rencontré Ali à l'école. Lidvine est retour de l'école. Ouais, et mes petites photos. Ok, bon, on se retrouve à la maison! Go la maison! Ok, je m'en doutais de celle-là. Influence, empathie, influence, sa responsabilité. Influence et manières ou les manières. Ah bah écoute, voilà. Contrôle des émotions diminue. Tu vas voir si ça diminue. Bah va pisser, cocotte! Va t'amuser après. Bon, elle, elle mange. Ok, et Joris, ça, lui, il fait... ok. On va regarder tout de suite ce qu'on a gagné au machin, là. Au piraton. Piraton, piraton. Oh putain. Oh, mais on a trop de choses. Des plans de travail. Pile de CD. La fameuse sorbetière, console de jeu. Ordinateur 3360. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais quel pied. Pile de CD. Ah oui, parce que ça c'est... d'accord. Non mais 19 assiettes quoi, bonjour. Ça, on va tout vendre, hein. Oui, mais on s'en fiche, de toute façon ça coûte rien. Alors ça, c'est les poissons qui ont été... Ouais. Par Louis. Louis, il avait gagné des poissons. Et... Oh là là. Plus deux. Lui, je sais pas. On a les photos, on a des guirlandes que j'ai jamais remis. On a les tapis, on a la tombe de Coco. On a trois tombes. Louis, Lorelai et Gunther. Et oui. C'est une tristesse, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, on a gagné le truc qui vaut quand même une blinde. Et on va mettre la console de jeu. On peut la mettre là? Non, je vais la mettre là. Je pense que c'est bon, là, ça passe. Je installerai le PC plus tard, quand on aura la future maison. Mais va aux toilettes, toi! Mais con, elle est restée coincée devant la... Tu vas jouer Frénésie des fêtes, parce que de toute façon, on peut jouer qu'à ça. Arrête de me chatouiller. Oui, d'accord. Tu peux manger, toi? Oh, fou Gabi, regarde des dessins animés. Gabi, tu ferais mieux de bosser un peu, non? Programmer. Continuer de travailler en indépendance. Nous, on nous faut des sous, hein. Je vous rassure que la maison, faut qu'elle soit belle.
Alors, je ne sais plus. C'est pas encore aujourd'hui pour l'anniversaire de Ludwig. Bon, c'est au moins une chose de sûre. On a encore le suspense pour un autre épisode. Et oui, c'est comme ça. Je ne couperai pas du coup cet épisode, je pense pas. Mais tu vas pas manger un truc pourri? Mais qu'il est con. Va manger un truc bon. Mais ça, c'est pas bon. Oh, t'es chiant. Enlève la nourriture gâtée, Ludwig. Maman, qu'est-ce qu'elle fout? Ouais, bah elle va sortir de là et elle va faire à bouffer, hein. Tu vas servir le dîner. Macaroni au fromage. Allez, go. Ceci, ton fils, il a que, il peut que manger des plats pourris, c'est que t'as pas fait à bouffer depuis un bout de temps. Donc tu vas faire à manger. Elle fait quoi, elle? Mais je lui ai dit de jouer au jeu. Mais c'est pas possible, hein. Ils font jamais à ce qu'on leur demande, hein. Non, mais toi, tu vas pas. Ok. Jouer à un jeu multijoueur, frénésie des fêtes. Vous allez jouer à deux, vous me cassez pas les pieds. Mais si, oh là là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pensez à un membre de sa famille. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais punaise, vous me cassez les bonbons! 926. Ah oui, ça c'est Gabi. C'est très bien. Gabi, par contre, je pense qu'il faut que tu joues au jeu vidéo. Ouais, donc tu vas jouer tout de suite au jeu. S'inscrire. Ah! Allez, tu vas jouer à My Sims Go sur Internet. Je sais pas si ça va te ramener de la thune. Ah, si, peut-être. Mais vous venez là ou quoi, là, les meufs, là? C'est pas possible. En fait, c'est pas accessible, c'est ça? Vous pouvez pas jouer? Carla. Non, c'est pas accessible. J'ai compris. Bon, on va la mettre là. Hein. C'est plus moche, mais au moins. Allez, zou. Ah, oh, mais putain! Oh, ça me pète les noix. Hein. Là, franchement. Après, j'ai mis le bébé Move Object, donc je peux le mettre où je veux, mais bon, effectivement. Je vais pas le mettre non plus n'importe où, hein. En plus, elle flotte, ça je m'en doutais. Je sais pas, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, il n'y aura pas de jeu. Ah, hein, on se casse pas les pieds. Tu vas regarder un film avec les sœurs de la maladroite. Voilà, super, si vous êtes des sœurs, vous allez regarder ça ensemble. Voilà. Et lui, il bouffe son truc pas bon, mais arrête! Non mais... Oh, j'en peux plus. Des Sims idiots quand même. Voilà. À quoi on est rendu, hein? Et ça les remonte. Ah oui, c'est Gabi qui gagne ses petits sous là. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé aujourd'hui? Ah, c'est un film muet, quelle horreur. Bon, on gagne pas grand-chose, mais c'est les dons YouTube, je crois, ça. 1 euro, 2 euros. Enfin, un Simflouz, deux Simflouz. Elles sont trois, par contre, les sœurs. Film muet, c'est vraiment pas mon kiff, moi. Qui c'est qui se plaint, là? Que j'entends chouiner. Et elle? Qu'est-ce qu'elle a? Hein, Carla? Regardez dehors, dis donc! Il pleut! Mais c'est étonnant, ça! Hein, c'est étonnant, vous y attendiez pas non plus, hein. C'est qui, toi? Chloé, chatte âgée. Eh, on va faire venir notre chatoune, là. Joséphine. Ah, Pipo, c'est un garçon. Genre, elle appelle le chat, quoi. Tout va bien. Ah là 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 là, je vous jure. Bon, on gagne un peu de thunes, mais très très peu, quoi. Il faudrait que la vie, tu fasses des plus gros bénéfs, quoi. Que tu sois un grand youtubeur, peut-être. Ce serait sympa. Histoire qu'on ait de la thune encore plus, quoi. Tu vas aux toilettes un petit peu, Heidi?
Et là, le chat arrive. Oh putain! Je le sens venir. Ah, trop tard! Il va les bouffer dans nos pattes! Ah non, il met les pieds dedans. Pourquoi je peux pas? Pourquoi t'es parti dormir, toi? Jeter, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce plat de pâtes? Tu vas prendre une portion, alors. Heidi, how? Le chat. Proposer son amitié. Parler à. Caresser. Et tu vas remplir la gamelle. Moi, ce sera ça te fait. Oh, Heidi, elle a donc carrément pétouillé. 1200 abonnés de 2400. Il a gagné 24 simflous. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'il a? Ça t'aime pas les chats, Gabriel? C'était pas dans le contrat, hein. Ah oui! Oh là, d'accord, ça passe pas du tout avec Gabriel, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Juliette François. Non, c'était comment la femme de Harold? Bah non, elle peut pas être morte, elle était encore. Elle était pas vieille. Hein. C'est bientôt l'anniversaire de Joris! Ah bah, zut alors, on n'est pas prêt. Non, 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 regarde! Tu peux venir manger, il y a quelque chose là. Alors. Proposer son amitié. Faire connaissance. Caresser. Jouer avec un pointeur laser. Bon bah toi, Gabi, tu devais jouer, c'est ça? Vidéo, c'est bon, c'est fait. Anarchiste! Comment un chat peut être anarchiste? Bon, allez, par contre, il est 20h, j'ai complètement oublié. Les gosses, vous devez faire vos devoirs. Hein. Oh la vache, j'ai complètement zappé cette histoire de devoirs. Allez, go! Non, vous vous réveillez tous et vous faites tous vos devoirs. Non mais dis donc... Puis quoi encore? C'est pas la fête à Germaine, hein? Germaine, c'est pas ici, c'est dans le décade déjà aussi. Voilà, le petit pointeur laser qui va bien. Oh! Je suis complètement absorbée par cette histoire de chat. Oh mais arrête! Ça y est, elle est endeuillée. Oh, j'en ai marre, moi. Tac, on va gagner un peu de sous. Le lama qui parle, hop. Ça, j'avais tellement de jouets que je peux en jeter quelques-uns, c'est pas bien grave. Affiche, allez, 120 simflous à prendre en plus. Des pièces d'amélioration, hop. Ça aussi. On augmente notre capital, hein, quand même. 160! Ouais, on va le vendre aussi. Pourquoi je peux pas le vendre, celui-là? Mais... Pourquoi? Mais je suis débile. Camomille. Tulip, hop. Voilà, une bonne amie de Joséphine, bah oui. Câlin réconfortant. Voilà, Ludwig est devenu responsable. Ça, je peux le mettre à l'abri avant que le chat vienne le bouffer. Que je l'ai pas mis dehors. Oh bah, il pleut toujours, hein, on va pas se leurrer, hein. Ah, Litvin, t'es sale. Oui, je confirme. Où es-tu? Ah oui, Gabi? Tu peux venir réparer ça?
J'avais zappé que c'était cassé aussi. Et tu pourras nettoyer aussi ça, en tant qu'à faire. Hein. En profiter que t'es encore là pour nous faire faire des trucs. Je suis... Ah! On peut pas, parce que c'est pas notre chat. Pas. Devoir jeter l'assiette, quoi. Toi, tu peux rien dire non plus. De choix. Tu peux chasser. Vas-y, chasse-le. Frida est décédée. Bon, bah voilà, ça y est, ça commence là. L'hécatombe de la génération Ugly, la génération de Heidi est en train de clamser. Et ça, c'est quand? Oh. Là, c'est Frida, hein, là, c'est vraiment quelqu'un de la famille, hein. Je décrocherai pas parce que bon, ils vont tous être tristes. De toute façon, ils le sont, donc voilà. Oh, c'est dégueulasse. Viens là, toi. Tu vas nettoyer. Décès. Ah ouais, il y a quand même. Décès dans la famille, c'est un plus 3. Père, un frère ou une sœur. Endeuillé, père, un ami. C'est juste 2. Alors que là, c'est plus 3. C'est vraiment différencié, mais bon. On va pas nous mettre au courant de toutes les morts qu'il y a dans les Sims, parce que ça n'a pas fini quand même. Bah, tu peux aller aux toilettes et aller manger. Gabriel, ça va pas tarder non plus. Joris. Bah écoute, après t'iras te coucher. Non, c'est vrai, j'ai vu. Tu vas pleurer. 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 Pleurer et dormir. Bah toi, tu peux aller aux toilettes, manger et aller dormir. Oh, punaise! Drama. Elle dort dans son bain. Mais c'est quoi ça dégueulasse? Sors de ton bain! Et toi, arrête d'être bloqué, mais qu'est-ce que vous me faites? Vous me gavez, punaise, j'en ai marre! Allez, utilisez! Non, ça c'est pas ton lit, c'est celui-là ton lit. Tu vas pleurer. 2, 3, 4, 5 et. Tu vois pas ce qui se passe. Allez, va aux toilettes! Je sais plus ce que je fais, je suis en train de perdre du temps. Tu prends une douche, toi! Arrête de dormir là-dedans! Oh là, je vous jure, c'est sans arrêt. Allez tous pleurer et dormir là, vous m'avez. Lui s'en fout, hein, il a pas eu d'appel. Toute la maison va chialer, mais lui. Tiens, si toi, tu vas pleurer aussi, toi. Si, tu vas pleurer. On entend les pleurs de partout, c'est l'angoisse. C'est d'une tristesse ce jeu quand même, on va pas se le dire, hein. Ma sœur, elle est morte! Bon, on l'a vu, on l'a un peu épuisé, quoi. C'est peut-être de notre faute finalement. Hein. Oh, vas-y, arrête de pleurer dans les. Bon, que tu te laves, cocotte. Ça va être sympa, hein, la prochaine journée. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Normalement, la prochaine journée, on a l'anniversaire. Ah, bah, les deux garçons vont grandir en même temps. Ah, bah, c'est cool. Et après, on aura la fête des récoltes. Tac, 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 tac. Et il n'y aura pas d'anniversaire avant les filles le samedi. Donc, de toute façon, les votes, je les ferai après l'anniversaire de Ludwig, évidemment. Peut-être que je ferai les récoltes, histoire d'eux, et puis on procédera au vote. Et vous pourrez choisir votre héritier de ce Ugly to Beauty Legacy Challenge. Allez, hop, tout le monde pleure, tout le monde va dormir, et tout le monde va arrêter de me casser les pieds. C'est que ça pèse quand même, hein. Un petit peu. Oh là là. Je vous jure, les draps sont mouillés, mais pas pour la bonne cause.
C'est horrible ce que je dis. J'ai dit dormir, cocotte. Tu veux pas dormir? Oh là là, elle devine, elle est dans c'est ah. Ça me fait rire, en fait, j'ai le sourire sur la tronche parce que ça me fait rire. Là. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, allez, tu me gaves. Moi, je vais aller voir en bas. Parce que au moins, il y en a un qui rigole. C'est Gabriel. De toute façon, Gabriel, il va bientôt y passer. Il va bientôt y passer. Donc, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu. Rire ou pleurer, je ne sais pas. Et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode de Glitch to Beauty Legacy Challenge où on va fêter l'anniversaire de Joris, de Ludwig. On va voir de quoi ressemble Ludwig et puis on pourra sûrement voter très très bientôt. Allez, je vous embrasse très fort. Salut.